بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, en ce jour de vendredi, en ce grand jour de vendredi, le plaisir est pour moi de vous entretenir pendant ces quelques minutes, incha'Allah ta'ala, pour un rappel, le rappel du vendredi. Le rappel qu'on aurait dû faire en temps normal, en ayant à disposition la mosquée pour faire salat al-jumu'ah. Ce n'est pas le cas, vous le savez, depuis quelques semaines, encore une fois, on est reconfiné. Mais incha'Allah ta'ala, nous espérons que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, que les choses s'améliorent mieux et qu'on puisse retrouver, incha'Allah ta'ala, pleinement nos lieux de culte et particulièrement, spécialement, le jour du vendredi, incha'Allah, pour pouvoir faire cette grande prière. Mais d'ici là, on continue, incha'Allah, via la page Facebook de notre mosquée. Mes chers frères et sœurs en islam, nous sommes tous à la recherche du bonheur dans cette vie. Et inconsciemment, l'homme cherche le bien-être. Le bien-être, le bonheur. Il n'y a pas un être sur terre qui ne soit pas dans la course de la recherche du bonheur et du bien-être. Alors, il est clair que la définition du bonheur dépendra des personnes. Ce bonheur que nous recherchons tant, il y a certains qui le définiront par le fait d'avoir une foi conséquente et une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que pour eux, le bonheur, c'est de sentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers leur foi, à travers leur pratique, à travers leur quotidien. Et puis, on va avoir d'autres qui vont définir le bonheur comme étant le fait d'avoir une vie confortable d'un point de vue financier et économique, c'est-à-dire disposer des biens de ce bas monde, avoir une belle voiture, voire plusieurs voitures, avoir de belles maisons, des villas, avoir en fait le matériel, disposer pleinement le matériel. Oui, il y a certains qui pour eux, le bonheur se définirait par le fait de disposer les biens matériels. Et puis, on va avoir d'autres qui vont dire que pour eux, le bonheur, c'est d'avoir un équilibre familial. C'est-à-dire qu'ils ont leur femme ou leur mari, ils ont leurs enfants, ils ont leurs parents, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, c'est le bonheur. Et oui. Et nous allons avoir d'autres définitions encore. Ce qui veut dire que le bonheur a autant de définitions que les individus. D'accord ? Et puis, à la recherche de ce bonheur, quand chacun définit ce qui représente pour lui le bonheur, eh bien, il va se donner les moyens pour y arriver. Il se donne les moyens, il va emprunter
le chemin, voire les chemins qu'il considère que c'est la voie à suivre pour avoir ce dont il définit comme étant le bonheur. C'est-à-dire que, tout simplement, celui qui considère que le bonheur réside en la foi, en l'adoration, en la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va travailler sa foi, il va travailler sa spiritualité, il va travailler sa pratique de tous les jours et il va soigner sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver à ce bonheur dont il aspire. Celui qui, pour lui, le bonheur, c'est le fait de disposer des biens matériels de ce bas monde, eh bien, il va se donner les moyens pour y arriver. Il va aller travailler, il va créer des choses qui vont lui permettre de s'enrichir et de, du coup, de disposer de cela. Celui qui considère que le bonheur réside en l'équilibre familial, l'équilibre social, eh bien, il va se marier, il va faire des enfants, il va faire tout ce qui irait dans le sens d'harmoniser, d'équilibrer cette vie sociale et cette vie particulièrement familiale. Mais moi, je pense que, personnellement, et puis en regardant ce que nous disent les textes de notre foi, ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à suivre pour avoir le bonheur. Et parmi ces éléments, il y en a plusieurs. J'ai retenu aujourd'hui le principe de ce qu'on appelle la satisfaction. En arabe, rida. Rida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, irda bima qasama Allahu lak. Sois satisfait de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a attribué. Sois satisfait de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a attribué et à ce moment-là, tu seras le plus riche des gens. Tu cherches la richesse dans tous les sens du terme, la richesse du cœur, la richesse morale, la richesse matérielle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas particularisé. Il a utilisé uniquement « Arnan nas, tu seras le plus riche des hommes ». En quelque sorte, tu veux le bonheur, tu veux la tranquillité, il faut avoir ce qu'on appelle « rida ». Et « rida », on pourrait le traduire comme étant le fait de se satisfaire de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé. Le fait tout simplement d'apprécier à sa juste valeur, à leur juste valeur, les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a attribué, puisque tu en as. Nous sommes tous inondés, nous baignons tous dans les bienfaits, dans les ni'am, peut dire dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers tout ce qu'on pourrait définir comme étant le bonheur. Oui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, on a mille raisons d'être reconnaissant et de se montrer reconnaissant et de gratifier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce dont il nous a octroyé. Profiter de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribué. Mesurer à sa juste valeur la situation de bonheur, de bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle nous baignons. Et savoir se satisfaire, se contenter. Quand je dis contenter, on va en parler, parce que se satisfaire, rida, cet élément, ce principe dont on parle, ne se contredit pas au fait d'avoir des ambitions. Quand on dit se satisfaire de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé, cela ne veut en aucun cas dire que
eh bien, il ne faut pas avoir des ambitions. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des objectifs. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher ce dont on considère comme étant des choses qui vont contribuer à notre bien-être, à notre bonheur. Ce n'est pas le cas. C'est d'abord profiter et reconnaître et être content et satisfait de ce dont on dispose et puis aspirer à d'autres choses. Parce qu'il y a des gens, il faut le dire, qui se montrent toujours malheureux, qui se montrent toujours insatisfaits. Ils regardent toujours ce dont ils ne disposent pas, alors qu'ils ont mille raisons. Ils disposent de mille choses et une pour être déjà satisfaits et de se montrer reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, le fait de toujours regarder ce dont, de toujours regarder ce dont on ne dispose pas, et de faire fi à ce dont on dispose, fait de nous automatiquement les gens les plus pauvres, les gens les plus misérables, les gens les plus malheureux. Oui, parce que on regarde ce dont on ne dispose pas. Et qui sait si on va les disposer, on va rentrer en possession de ces éléments dont nous rêvons parfois d'avoir. Dieu seul sait. On ne sait pas. Et on est là dans cette sorte de mal-être, de toujours vouloir peut-être des choses dont on ne va jamais avoir. Alors qu'on laisse, à notre portée mille et une choses, mille et une raisons d'avoir ce qu'on appelle rida. Donc, se satisfaire, ce don de la situation dans laquelle nous sommes, et puis avoir des ambitions pour ce dont on ne dispose pas. Et non pas toujours se lancer dans cette course folle, dans cette course malsaine de la recherche du bas monde et oublier les autres raisons d'être heureux. C'est le malheur après qu'on va sentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre texte, pour se sentir heureux, pour avoir le bonheur, il faut déjà toujours regarder ceux qui rêvent avoir la situation que vous avez aujourd'hui, ceux qui rêvent avoir ce dont vous avez, ce dont vous disposez aujourd'hui, et ne pas regarder ceux qui vous dépassent en termes de biens matériels. S'il faut regarder ceux qui nous dépassent, ce serait ceux qui nous dépassent en termes de piété, ceux qui nous dépassent en termes d'adoration, ceux qu'on considère être meilleurs que nous en termes de spiritualité, en termes de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vis-à-vis de ces gens-là, oui, il faut les prendre pour des modèles, il faut les prendre pour des exemples, pour essayer de tendre vers cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. Essayez de ressembler à ceux que vous considérez étant meilleurs que vous dans la spiritualité, dans l'adoration, dans leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, car le fait de les regarder, d'essayer de les ressembler, c'est une réussite. Ça vous permet de donner le meilleur de vous. Et non pas de regarder en termes matériels, en termes de biens. Al-mal ou al-banoun, les biens matériels de ce bas monde, ne regardons pas ceux qui nous dépassent, parce que cela va nous plonger dans un malheur, cela va nous plonger dans un sentiment de pauvreté, en fait. Alors que nous avons toutes les raisons, encore une fois, d'être heureux. Ar-rida, mes chers frères et sœurs, la satisfaction de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé et attribué. Et ce rida, cette satisfaction, doit être au rendez-vous aussi bien que dans les moments difficiles que vis-à-vis des biens de ce bas monde. Je m'explique. Il arrive qu'on soit éprouvé, qu'on soit triste, que de grosses épreuves nous touchent. Perdre un proche, comme on le disait la semaine dernière, c'est une grosse épreuve. Il y a des gens
qui sont éprouvés, et d'une manière ou d'une autre, on va tous être éprouvés par la mort. C'est très difficile dans cette situation. Être éprouvé d'autres types d'épreuves, au moment même, à l'instant même où on est éprouvé, c'est très difficile. Ce qui nous permet de sortir la tête de l'eau et de garder la tête très haute, c'est justement se dire, revenir toujours à la notion de rida. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous éprouvera. Quoi qu'il en soit, on sera éprouvé dans cette vie. Et celui qui se montre patient et celui qui accueille bien l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyée, falahu rida. Faman radiya, falahu rida. Celui qui patiente, qui se montre d'accord, endurant vis-à-vis des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui se montre comme étant, voilà, qui se révèle vraiment ne pas être à la hauteur de porter les responsabilités ou des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie, eh bien, falahu sakhat. Il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque de toute manière, de toute façon, nous sommes amenés à être éprouvés. Donc, rida, inda al-bala', la satisfaction, la patience quand on est éprouvé. Et de se rappeler que je ne suis pas le plus éprouvé. Si aujourd'hui je suis éprouvé par telle ou telle autre épreuve, il y a des gens qui sont encore plus éprouvés que moi. Il y a des gens qui sont dans des situations qui sont encore plus difficiles que moi. Il y a des gens tout simplement qui vivent des difficultés, des épreuves que moi, peut-être que j'aurais pas pu porter. Donc, alhamdoulillah ala kulli hal. Dieu merci. Et quand on a cette attitude, quand on a ce sentiment, eh bien, quelle que soit l'épreuve que nous vivons, eh bien, elle sera plus facile à vivre, elle sera plus facile à porter et on aura plus de facilité à y faire face. Donc, rida, la satisfaction, la patience, l'endurance vis-à-vis des épreuves, ça nous permet de garder la tête haute et d'avancer. Mais c'est rida aussi, la satisfaction quant au bien matériel. Nous sommes tous à la recherche de biens matériels, l'argent, le matériel, les voitures, et ainsi de suite. La nature humaine va dans le sens d'aimer et d'apprécier tout ce qui est beau, tout ce qui est al-mal ou al-banoun, zinatul hayatid dunya. Les enfants et la richesse sont des parures de ce bas monde que l'âme humaine a tendance à aimer naturellement. Nous aimons tous les belles choses. Nous aimons tous les belles choses. La preuve, on travaille, on s'arrache, on donne tout pour les avoir. C'est bien, c'est bien. Par contre, il ne faut pas oublier que pour être heureux, ce n'est pas uniquement de s'inscrire dans la volonté d'avoir, mais c'est aussi d'apprécier ce dont on dispose. Parfois, tu as des gens, on a des gens qui ont tout pour être heureux, qui ont tout. Je parle d'un point de vue matériel, hein, parce qu'on a parlé d'un point de vue religieux. D'un point de vue matériel, ils ont tout pour être heureux. Alhamdoulilah, une maison, une voiture, ils ont un toit, ils ont une maison, ils ont une voiture pour se déplacer. Alhamdoulilah, il y a de quoi remplir le frigo. Il y a une sécurité en quelque sorte alimentaire, il y a une sécurité financière. Il n'y a pas de problème, il y a la famille, tout va bien, il n'y a pas de difficultés majeures et tout. Mais on oublie ce bienfait, cette grande ni'ma dans laquelle nous baignons. Et on regarde les autres qui, à nos yeux, ont encore mieux que nous. Et du coup, le sentiment de malheur, le sentiment de pauvreté commence à s'installer. Ça s'appelle de l'ingratitude vis-à-vis d'Allah. Ça s'appelle le manque de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque, encore une fois, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu as
mille raisons d'être reconnaissant et d'avoir la satisfaction et d'être content et d'être heureux. Tout ne sera pas parfait dans la vie d'un croyant. Tout ne sera pas parfait dans la vie, tout simplement, des hommes sur terre. Il y aura toujours des manques. Et quand on se focalise au manque, eh bien, ce que nous avons en possession perd sa valeur. Il perd sa valeur. Et quand ce dont nous disposons perd de la valeur à nos yeux, eh bien, ça nous pousse à ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas, eh bien, on va rentrer, on va tomber dans l'ingratitude, encore une fois. Donc, il est très simple. Rida, la satisfaction. Savoir apprécier et profiter ce dont on dispose et puis avoir l'ambition d'aller chercher ce dont on ne dispose pas. Voilà le concept, parce qu'il faut bien le définir, il faut bien clarifier les choses, pour ne pas que certains comprennent que quand on parle de satisfaction, le fait de se satisfaire de ce dont Allah nous a donné, c'est bon, alhamdoulilah, je suis content de ce que j'ai, je n'ai plus d'objectif, je n'ai plus d'ambition, je n'ai plus envie d'autre chose, non. Dans la vie et dans la spiritualité, il faut toujours avoir l'ambition et l'objectif d'avancer. Avancer pour que cela soit un moyen pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour se montrer utile vis-à-vis des autres, vis-à-vis la société dans laquelle, au sein de laquelle nous vivons. Donc voilà le principe que je voulais évoquer aujourd'hui, la satisfaction. On a tous et toutes mille raisons d'être heureux. Il faut juste regarder autour de soi pour se retrouver, en fait, ce n'est pas anodin. Parfois, on a des bienfaits qu'on considère que bah, c'est normal. On a la santé, on a les biens matériels, on a la liberté, on a, alhamdoulilah, on a la foi, on a ce principe, ce dogme qui nous permet d'avoir, de sentir la miséricorde, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on tomberait dans le malheur? Pourquoi on tomberait dans la tristesse? Oui, les sentiments, les émotions, c'est naturel, c'est normal, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais que ces sentiments, qu'on soit toujours dans le positif. Même si c'est des épreuves difficiles à porter, il faut positiver pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Barakallahu fikum, mes chers frères et sœurs.